Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au chaud et au coin de la cheminée parce qu'il fait froid. Et comme il fait froid, ben on n'a pas trop envie d'aller monter nos poneys en ce moment. Du coup aujourd'hui on va les monter en virtuel sur Equestrian The Game, dont je vous avais parlé l'année dernière, je vous l'avais présenté. Et vous m'avez beaucoup demandé de refaire des vidéos sur ce jeu, donc c'est parti. Donc c'est parti, j'ouvre le jeu. Voilà. Donc là, il y a une nouvelle saison qui est arrivée. Donc ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'elle est arrivée. Donc c'est la saison Savannah. Voilà. Donc c'est une nouvelle saison. Donc j'ai bien évolué sur le jeu. J'avais arrêté pendant un petit moment, mais là j'avais repris il y a quelques temps. Et donc j'ai bien évolué sur le jeu. Donc là, mon van par exemple, il est au niveau 7. Donc voilà. J'ai pas augmenté mon manège. Donc voilà, j'ai ça. J'ai monté ma maison. Et je vais vous montrer donc mes écuries. Donc c'est parti. Alors, pour commencer, on a une. Donc ça, c'est une petite pur sang arabe de 16 ans. Voilà. Celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Après, on a Storm. Lui, c'est une race imprononçable. Donc, lui, il a 4 ans. Et lui aussi, ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Je l'avais acheté pour faire un poulain. Après, on a Maja. Donc, elle a 8 ans. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté il y a 2-3 jours. Là, on a Crène. Cernet, donc on a donc lui il a elle a 16 ans, donc je viens de l'acheter aujourd'hui pour faire de la du tiers 2. Donc là c'est des nouveaux box qui sont vides. Voilà, je vais acheter de nouveaux chevaux et j'en avais vendu. Là on a Hermione, mon petit crack. Donc ça c'est une petite jument de 15 ans. Donc voilà, donc c'est mon petit crack, elle est vraiment super cette jument. On a Buckingham après de 17 ans, voilà, que j'aime beaucoup aussi, il est super sympa. Et après, c'est tout, voilà, pour mon écurie. Et il fallait donc que j'aille entraîner mon nouveau cheval, donc Seren. Que d'ailleurs je vais renommer parce que Soren c'est pas très. J'aime pas trop. Tac 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 là. Tac, on va le renommer Caramel, tiens. Il crème, donc on va l'appeler Caramel. Non, crème, bah du coup on va l'appeler Crème. Crème. Moi si ça vous plaît. Crème, comme il est de couleur crème. Au moins c'est facile à repérer quoi. On sait de quelle couleur il est. Caramel, je pense que ça irait plus pour un alezan. Donc c'est parti, se balader, let's go. Donc on va prendre Crème. Lui il a un super bon potentiel franchement. Donc là on a la savane, on va plutôt aller dans la carrière. On ira se balader dans la savane avec un autre cheval. Là, c'est vraiment pour voir quelle hauteur il saute, mais je pense qu'il est pas mal. Hein. Donc, ouais, il saute à peu près la même chose que Hermione. Ouais. Oups. J'ai pas de chance. Il m'a sauvé la vie. Petit Schwanz. Youhou. Il a des bonnes barres, là. Hein. C'est vrai qu'avec Hermione, j'avais accédé au tiers 3. Et là, j'aimerais bien accéder au tiers 2. Et c'est vrai qu'Hermione, pour l'instant, il faut que je l'entraîne. Et comme j'ai augmenté le potentiel de mon van, j'ai vu ce petit schwanz. Et je me suis dit, c'est celui-là. Hop, on va aller au pas. Sur une petite détente au trot. Le vélo,
Ouais, donc il a l'air comme relativement bien. Franchement. Là, la hauteur est pas énorme, mais... Je suis tombée là-bas. J'allais un peu moins vite pour avoir le plus beau saut. Ouf. Ça, c'était joli par contre. Non, c'était carrément catastrophique. À ne pas reproduire. Voilà. Je suis trop rapide. Trop rapide. Non, il va pas. Ouais, bon, voilà. L'erreur à ne pas faire. Voilà. Si votre poney repasse au trot avant l'obstacle, faites demi-tour au lieu de faire 4 points. Ce serait ballot. Et petite erreur aussi quand vous êtes en haut niveau. Évitez d'aller trop vite. Franchement, allez vite dans les lignes. Enfin, mais arrivez devant l'obstacle, ralentissez un max. Parce que bah, du coup, vous allez perdre un petit peu en... La voiture, il va pas sauter hyper bien. Tac, on va aller faire un petit tour ici. Tac. Ah ouais, mince, je suis à l'envers. Ça va pas. Ouais, ça va, il m'a sauvé la vie. Bonjour. Comment allez-vous? Ah. Bah, vas-y, installe-toi. Prends ton café, mets-toi à l'aise. Je t'en prie. Bon, bah, ok. Nous avons Nimba avec nous. C'est incrusté dans le décor. Tu sais que t'as pas droit au canapé, hein? Allez-y. Je suis bête. Nana! Ouais. Oui, je suis toi la plus jolie. Ouais. Allez, fais dodo. Oups. T'es bien, hein, comme repose-pied. Ouais. Si vous avez... des chiens aussi. Hyper attachant. Elle, je peux pas aller n'importe où sans qu'elle me suive. Tu vas sur le canapé? Bah, je vais sur le canapé alors. Oups. C'est pas ça que je veux décaler. Bon, on va pas y passer 3 heures ici. Voilà, donc on a fait notre petit tour. On a un petit peu. Je n'ai pas trop. Non, je n'ai pas trop entraîné. Oh, mais la jupette, elle a eu peur, ma jupette! Mon petit joli! Oh, c'est pas la plus belle! Hop, on va aller faire une petite compète avec lui. Oui, c'est toi la plus jolie. Pardon pour vos chiens. Vous êtes tous jolis, les petits chiens! Ah, vous êtes tous jolis. Non, vous êtes jolis, toi, tu es. Pourquoi toi, pichette? Oh, oui, vas-y. Arrête de me lécher! Pas ça, pas de bisous sur la main. Donc là je coupe assez court, donc là on est parti pour le tier 5, même si je pense qu'il peut aller en tier 2, mais bon, faut bien un commencement, hein. Voilà, c'est comme Ali, il commencera pas des prépa 50. Là par contre sur les petites hauteurs comme ça vous pouvez y aller devant les obstacles, vous pouvez accélérer devant les obstacles, il n'y a pas de souci, ça passera crème. Comme elle est. Avant d'aller en club 2, on ira en prépa 50. Hop, allez, on refait une petite compète en tier 5, comme ça. Franchement, c'est le meilleur cheval de mes écuries, hein, celui-là. Mais bon, j'ai quand même le crack sur Hermione. Vraiment, cette jument. Elle a un super bon potentiel. Mais lui, il est pas mal. Après, je pense que je le revendrai parce que je suis pas très fan de la couleur et il a les crins tressés. J'aime pas les choux qui ont les crins tressés. Le must, ce serait la queue bien épaisse, enfin voilà, bien touffue. Et une crinière en coupe sport. Ça, c'est le must. Ce serait le meilleur.
fait, bon, je suis en tier 4. On va pouvoir aller en tier 4, et après en tier 3, et après en tier 2. Enfin, j'espère. S'il me dit que j'ai pas le potentiel pour aller en tier 2, je pleure. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Donc en fait, vous êtes avec moi pour entraîner ce cheval. Vous aurez participé à l'entraînement de Crème. Oups. J'ai eu beaucoup de chance, il m'a sauvé la vie. Ça va, Nima, t'es tranquille, toi? Oui. Toi, tant que tu dors, t'es tranquille. Hein. Là encore, ici, sur cette hauteur, vous pouvez aussi accélérer devant les obstacles. Je pense pas que ça fasse énormément de points. Enfin, moi, je faisais ça. Juste avancer dans les courbes, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir très bien. Vous allez vous retrouver dans les murs. Ça sent le vécu. Donc, il va falloir que je lui mette un nouvel équipement à lui. Parce que bah, c'est pas mon plus bel équipement là qu'on a. Hein. Allez, on en refait encore. Je fais tout le temps les mêmes, mais parce que comme je connais les parcours par cœur et qu'ils sont longs, on va faire les plus petits. Comme ça, on ira de plus vite sur la tier 3. La tier 3 est plus intéressante. Et la tier 2 encore plus. Je suis jamais allée en tier 2. Pour l'instant, je me suis arrêtée en tier 3. Mais on va tester ça. Allez, on tourne. Ça tourne. Ça va, il est un peu logique, ce parcours. Parce qu'il y a des parcours parfois... sont pas très logiques, hein. Tu tournes ici, puis après tu retournes là-bas, puis tu fais un demi-tour pour aller là-bas. C'est un peu bizarre. Oh d'accord, ok. Petit strike. On aime bien les strikes. Un bébé, on vient bien. Bon, au final, on va donc Crème est passé en tier 3. Maintenant, on va aller donc dans la savane, explorer la savane, etc. Donc j'étais déjà allée une fois, mais je n'avais pas pu explorer que ça. Pour y aller, on va s'équiper déjà, ce serait plus pratique. Et on va prendre pas Buckingham. Tiens, on va prendre Maja. Oups, non, je vais pas le stimuler. Je vais pas l'envoyer à l'entraînement. Donc bah, la selle c'est toujours la même, le filet, ce tapis ou l'autre. L'autre lui va mieux. On lui met les cloches, les protège-boulets, le petit bonnet ou pas, le bonnet. Allez, sans bonnet. Parce que dans la savane il fait chaud, donc bon, le bonnet, oui, bon, je marque n'importe comment, hein, on va, GG, voilà. J'ai pas le temps de marquer son nom, je fais au pif de toute façon, c'est juste pour qu'il ait son ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est pretty. Je vais vous mettre dans un autre sens, je vais vous mettre comme ça, voilà. Il a pas peur. Poutou, ça va bien se passer. La vie est cool. Je vois pas très bien là, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Par là, on a la fin du truc. Par là-bas, on a une barrière. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On va faire un peu tout le tour. Oui. Il y a des habitations. Contourner, il y a peut-être un terrain de cross ou un truc comme ça, je sais qu'il y en a souvent. Là il y a, on peut contourner, il y a un parcours, je sais pas ce qu'il y a là. Est-ce qu'on peut aller dans la maison là? Non, je suis trop grande je pense. Ouais non, je peux pas y aller, je suis trop grande. Allez,
not possible d'y aller. Oui, voilà. Donc on va aller explorer, il y avait un petit chemin là-bas qu'on va prendre. Des habitations. Tu veux absolument aller là-bas mon grand, mais moi je voulais pas y aller. On peut prendre le chemin là-bas. Toi tu me dis d'aller là-bas, mais non. Hop là. Aujourd'hui, que tu pourrais jouer des heures, si ça vous plaît, je vous en ferai une autre. L'endroit, là il y a une maison, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc voilà un petit peu pour la balade Savannah. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je pourrais jouer des heures et des heures et des heures à ce jeu, mais ben, on a à peu près tout vu. Et ça va faire un peu long, sinon, pour vous. Donc voilà, dites-moi aussi si vous adorez Equestrian The Game ou si vous y jouez. Moi personnellement, j'y joue et j'aime beaucoup ça. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut. Ça me fait plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.